Ok. Bonjour. Du coup, aujourd'hui, on est là pour vous parler de notre moteur de recherche et comment, en 3 ans, on est passé d'une approche un peu naïve à un truc sous lequel on a mis des néons et injecté du machine learning dedans. Et à quel point ça s'est presque bien passé. Je m'appelle Simon Morin, je suis lead architecte chez Le Bon Coin. Et bonjour à tous, moi c'est Paul, je suis back-end chez l'équipe Search, donc pour le moteur de recherche. Donc, quand cette histoire commence, on est en 2019 et notre moteur de recherche, c'est ça. Donc, Le Bon Coin, c'est un site de petites annonces et donc ce petit moteur de recherche, c'est vraiment la porte d'entrée du site qui permet d'explorer un peu les différents univers qu'on a chez Le Bon Coin. Donc, on est assez présent sur le marché du bien de consommation, leader sur l'auto, l'immo. On a aussi l'activité sur l'emploi, les locations de vacances. Ces différents univers, ils ont des tailles d'inventaire très différents et des charges aussi assez hétérogènes. Et en 2019, l'architecture qui sert le search derrière ça, c'est ça. Est-ce que tu peux nous la décrire un peu? Ouais, donc c'est une architecture qui est très simple. On a un microservice qui reçoit les requêtes, qui redirige vers un Elasticsearch. Dans cet Elasticsearch, on a un seul index qui tient tous les documents du Bon Coin. Donc on va retrouver tous les marchés à l'intérieur de cet index. Ça pose quelques problèmes. Le premier, c'est qu'on partage une structure de données, un schéma de données pour tous les marchés, ce qui veut dire qu'on n'a pas vraiment de personnalisation possible. Et à cette époque-là, on est aussi bloqué avec un ordonnancement temporel. Ce qui veut dire que quand on présente les résultats de recherche à l'utilisateur, les annonces sont ordonnées par ordre d'apparition sur le site. Précisé pour l'espace workshop avec une install party sur la sécurité, on cherche du monde. On a été Salutations. hacké. Et donc l'ordonnancement temporel, sur certains marchés, ça marche très bien. Ici, on est sur de l'IMO. Ouais, donc généralement on cherche les trucs qui viennent d'arriver dans la zone où on cherche, donc on est plutôt Exactement, là on content. a des exemples de Paris. À Paris, on veut vraiment voir les dernières annonces qui sont arrivées parce que généralement on cherche un truc très précis. Et par contre, quand on cherche des chaussettes, la date d'apparition sur le site, c'est quelque chose qui nous intéresse pas trop. Ça peut être un peu plus secondaire, on va dire. Et donc là, c'est attends, si tu reviens, ça c'est Pardon? un test en prod hier. Et donc on voit que pour chaussettes, j'ai principalement des lots, voire un petit déguisement de lutin quand je trie par ordre temporel. Et bon, en termes d'expérience utilisateur, c'est pas fou. Surtout quand il y a 65 millions d'annonces de biens de conso et qu'il y en a des paires de chaussettes. Alors du coup, à la fin de 2019, on a plusieurs objectifs. Il faut qu'on arrive à trouver une nouvelle stratégie d'ordonnancement, ou plutôt plusieurs. On veut avoir des stratégies d'ordonnancement, par marché. On se dit que l'expérience de recherche, elle pourrait être différente par marché. On peut proposer des choses différentes. On veut être capable d'expérimenter ça, parce qu'on y va un peu à tâtons. Pour l'instant, on n'a fait que de l'ordonnancement temporel. On introduit une notion de pertinence et il va falloir pouvoir expérimenter. Et donc pour expérimenter, il faut qu'on puisse mesurer. Et à la fin, donc on a aussi des équipes marché qui viennent en tant que spécialistes d'un marché, donc l'IMO, la voiture, etc., qui vont nous driver, qui vont nous guider sur quelle est l'expérience qu'on doit donner aux utilisateurs à la recherche, au dépôt, etc. Donc c'est toute une verticalisation de la plateforme. Et on veut aussi leur donner une autonomie sur les structures de données. Donc sortir du schéma unique, leur donner de l'autonomie sur les structures de données, mais toujours être capable de donner une expérience de recherche à la fois bien pour le business et bien pour ce marché-là. Et donc c'est là qu'on décide de pimper
notre moteur de recherche, et d'essayer d'en faire une plateforme. C'est-à-dire quelque chose qui va avoir vocation à être mis dans la main des autres développeurs. Alors, je vais essayer de vous la décrire un petit peu. La première brique de cette plateforme, c'est une web app interne qui est justement accessible aux développeurs et qui va leur permettre de définir pour chaque marché leur spécificité. Ces spécificités, ça commence par l'infra et le schéma de données. Donc il y a une petite web app où ils vont pouvoir renseigner où sont les Elasticsearch qu'on va utiliser pour eux, quels sont leurs schémas, et ainsi de suite. Et cette web app, en fait, elle va permettre de déployer à la volée les infras. Grosso modo, c'est le bloc du bas. Chaque équipe marché va avoir ses briques logiques qui vont lui permettre d'envoyer son flux de publication à travers des topics Kafka. Enfin, en gros, c'est des commandes queue. On va avoir les annonces qui vont arriver et être consommées par la search platform en pointant vers chaque verticale, vers son index qui est propre. Donc en gros, on a isolé chaque verticale dans un index ES qui lui est propre et sur lequel il maîtrise son schéma et les règles de recherche qu'il va pouvoir poser dessus. Donc on continue d'utiliser Elasticsearch comme brique à ce niveau-là. Et au niveau de l'API de recherche, donc on a un petit nouveau qui s'appelle le dispatcher qui va en fait aller interroger à chaque fois qu'une requête arrive les différentes configurations des marchés pour choisir s'il pose la requête à un index spécifique ou l'ensemble des index à la fois si la requête est cross-catégorie. Voilà. Et donc une fois qu'on a ça, on s'intéresse à justement différencier la façon dont on score de marché à marché et donc introduire cette notion de scoring dans ces confs. Et donc, Simon vient de le dire, on veut introduire une notion de pertinence dans les expériences de recherche. Une définition un peu théorique de la pertinence, c'est la mesure de la relation entre les résultats d'une recherche et l'intention exprimée dans la recherche. Et pour faire ça, on va commencer par utiliser des scorings. Ce qu'on va appeler scoring ici, c'est toutes les fonctions qu'on va utiliser pour altérer le score d'une annonce par rapport à une recherche. Ici, on a un petit exemple de définition de scoring. On peut voir qu'il y a plein de choses. Donc là, on est en train d'utiliser des primitives Elasticsearch. On va pouvoir multiplier le score par certains poids quand on rencontre certaines données. Par exemple, ici, on peut voir que tout en bas, on a des boosts qui sont liés à cette recherche. Et on va pouvoir avoir une dégradation du score en fonction du temps. On voit un time decay qui est là. Et donc, on va pouvoir utiliser plusieurs signaux calculés à l'indexation pour modifier les résultats de recherche, modifier l'ordonnancement final. Et donc ça, en fait, c'est ce qui va servir de base aux différentes couches de complexité qu'on va rajouter tout au fil de l'évolution du search pour fine-tuner l'expérience d'ordonnancement de chaque marché. Ouais, ça, c'est l'objectif. Donc passer d'un ordonnancement temporel à un ordonnancement par pertinence où quand je tape chaussette, j'ai des chaussettes qui sortent. Sport ou pas, mais qui colle un peu plus à l'intention du client. Pour continuer un petit peu sur la pertinence, quand on parle d'une mesure de relation entre un document et l'intention dans la recherche, il faut aussi qu'on réfléchisse à ce que c'est que cette relation. L'intention, elle est généralement définie par du texte. Est-ce que chez Le Bon Coin, on veut avoir une pertinence qui est uniquement basée sur le texte ? Pour répondre un peu à cette question, on peut la prendre avec un autre angle de vue. Quand on fait de la pertinence, on est en train de privilégier un document par rapport à des autres. Quand on privilégie un document, chez Le Bon Coin, on va privilégier une entité. Ça peut être Le Bon Coin, parce que ce document, quelqu'un a payé pour le mettre sur le site, et donc Le Bon Coin a gagné de l'argent. Ça peut être un acheteur, c'est-à-dire que c'est le document qui correspond tout à fait à son intention, et donc on est sûr qu'il va acheter. Et ça peut être un vendeur, quelqu'un qui a du mal à faire des ventes sur Le Bon Coin, on veut le garder comme client, on va pousser ses annonces, et à la fin, c'est lui qui est privilégié. Et donc, pour pouvoir trouver cet équilibre entre ces entités, il faut qu'on puisse mesurer cette pertinence et il faut qu'on puisse la comparer. Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est définir plusieurs KPI qu'on va regarder pour pouvoir comparer les stratégies de calcul de scoring, en gros, les diverses stratégies qu'on va pouvoir adopter. Et comme disait Paul, en fait, on ne cherche pas à simplement
entre guillemets, ce qui serait déjà compliqué, mais on ne sert pas simplement trouver la meilleure annonce pour la recherche, on cherche à équilibrer l'expérience de l'acheteur vis-à-vis de celle des vendeurs et ne pas détériorer aussi l'expérience de ceux qui payent pour avoir des bonus de visibilité. Donc on va se retrouver à évaluer toute notre stratégie de pertinence sur ces quatre KPI, donc le taux de contact, c'est-à-dire le nombre de recherches qui mènent au moins un contact, et donc on se dit que là on a réussi à ce moment-là à répondre aux besoins du client qui vient acheter. L'efficacité vendeur, donc le pourcentage d'annonces avec au moins un contact. Dans les bots du vendeur, on se dit que ce qu'on veut, c'est ventiler le plus possible les contacts qu'on a sur l'ensemble de notre inventaire. La précision, qui est là plutôt une notion du X, c'est ici le rang de la première annonce cliquée. Donc on se dit que si les gens ont à scroller 12 pages avant de trouver ce qui les intéressait, bon, ils ont trouvé ce qui les intéressait, mais on aurait peut-être pu améliorer leur XP. Et enfin, comme on vend à certaines personnes de la mise en avant, du bonus de visibilité, il faut qu'on s'assure qu'on ne le dégrade pas et qu'on vend vraiment, qu'on vend pas du vent. Et donc, pour mettre en place ces tests, on va ajouter à notre plateforme, toujours segmentée par marché, la capacité de faire des A/B tests, c'est-à-dire de déployer des stratégies de scoring différentes pour des groupes multiples au sein d'un même marché. Et donc, par ici, on a ici un exemple de config d'A/B testing 50-50 pour les gens qui cherchent des vélos. On va tester l'ANN versus pas l'ANN. On y reviendra tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est notre plateforme à la fin. Pour résumer, on a les développeurs des verticales, donc les développeurs des équipes marchés qui ont poussé leur contenu et géré à la fois leur infra, leur stratégie test et leurs expérimentations. On leur file un petit peu plus de tools pour ça, parce que là, c'est vraiment la partie, on va dire, tuyauterie, quoi. On leur file aussi des outils de statistiques pour qu'ils puissent, justement, les KPI qu'on vient de voir, qu'ils puissent les suivre et les explorer via des outils qui sont faits pour. On leur permet aussi de tester leur A/B testing sur la prod, d'évaluer, en fait, en tant qu'utilisateur, finalement, ce qu'ils offrent comme expérience aux différents groupes. Et on leur permet aussi d'aller explorer des sessions de recherche anonymisées, mais réelles, pour voir le parcours des utilisateurs qui ont transformé ou non. Et donc, à ce moment-là, on a passé un an à investir là-dessus, et on est content d'aller néon sous la voiture. On va pouvoir commencer à faire cette bascule du tri temporel vers la pertinence. Et par quoi on commence ? Eh ben, on va commencer par jouer un peu avec les primitives d'Elasticsearch. Comme vient de le dire Simon, on a une plateforme qui est customisable. On a mis en place les configurations, tous les petits tuyaux, le tooling pour vérifier ce qu'on fait. Maintenant, il faut faire des itérations et commencer à faire des choses. Donc, l'objectif d'utiliser les primitives Elasticsearch, dans un premier temps, c'est de venir optimiser le taux de contact. On va prendre les autres KPI en défensif, on essaye de ne pas les dégrader. Par contre, on veut améliorer la quantité de recherche qui mène à un contact. Pour ça, on va faire du coup de la pertinence et des primitives Elasticsearch. Et tout à l'heure, on parlait de pertinence textuelle. On va parler un peu de TF-IDF. Ça a l'air compliqué. Ça a l'air compliqué. Finalement, c'est assez simple. TF-IDF, c'est un acronyme pour Term Frequency Inverse Document Frequency. Ça a l'air compliqué. Non, c'est simple. Un Term Frequency, c'est le nombre de fois où un mot apparaît dans un document. L'inverse Document Frequency, c'est le nombre de fois où le mot apparaît dans l'ensemble de la collection. Plus le mot apparaît dans l'ensemble de la collection, moins il est discriminant. Et plus il apparaît dans un document, plus il a l'air de qualifier ce document. Et donc c'est un jeu de balance entre plus le mot apparaît dans le document, plus je monte son score, mais moins le mot est discriminant, plus je descends le score. Du coup, ça règle ma question de mon problème de chaussettes ? Ça règle à peu près la question de ton problème de chaussettes. Normalement, dans les titres, on va avoir le mot chaussettes, et en théorie, chaussettes est relativement discriminant parmi les 65 millions d'annonces, et donc on devrait avoir les annonces qui ont le mot-clé chaussettes, qui remontent dans les premiers résultats, ou en tout cas qui ont un score supérieur à celles qui n'ont pas le mot-clé, forcément elles sont filtrées, ou celles qui n'ont pas exactement le mot-clé, des petites fautes d'orthographe avec des choses comme ça. Et surtout, si j'ai 5 fois le mot chaussettes dans mon annonce parce que je vends 5 chaussettes, et ben j'ai plus de chances de remonter que celui qui vend des chaussettes, un pantalon, un costume de lutin, c'était ça. C'est ça.
Ceci dit, la date d'apparition sur le site, elle a quand même de l'importance. Par exemple, une annonce qui a été postée il y a 2 ans sur Le Bon Coin, la probabilité que le vendeur me réponde dans la minute si j'ai un besoin urgent, elle est faible. Et donc pour ça, on va quand même jouer avec la date d'apparition et on utilise ce qu'on appelle un time decay. Donc là, il y a plusieurs exemples de time decay. Celui qu'on utilise, c'est le Gauss. C'est pas forcément très intéressant. L'idée, c'est que plus on est proche de la date d'apparition, plus le score est inchangé et plus on s'en éloigne, plus le score va se dégrader. Et comment il se dégrade, ça on peut le paramétrer, on peut suivre grosso modo les 3 courbes qu'on voit ici et même jouer un peu avec les hyperparamètres de ces courbes. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une annonce qui a maintenant 2 ans, si on reposte exactement la même annonce, à la fin, elles n'auront pas du tout le même score. Alors, juste une toute petite aparté, ça on peut l'utiliser sur d'autres valeurs finies aussi. Tout à fait. Et on utilise aussi, parce que là on est vu sur les parties un petit peu complexes, mais on utilise aussi juste des facteurs multiplicatifs ou additifs. Et donc, maintenant qu'on peut configurer ça, qu'on a accès aux primitives d'Elasticsearch et qu'on comprend comment jouer avec des scores de pertinence, on va pouvoir venir jouer avec des signaux différents en fonction des marchés. Ici, je vous ai mis une liste de signaux. À gauche, on a du bien de conso, à droite, on a la location de vacances. La première différence qu'on voit entre les deux, c'est que le signal le plus fort pour le bien de conso, c'est le titre de l'annonce. Et en vacances, ça ne compte pas. On s'en fout du titre en fait. Simplement parce que en vacances, ce qu'on cherche, c'est plutôt une localisation, un range de prix, des options dans la location de vacances, une piscine, un jacuzzi, ce que vous voulez. Et en fait, les mots-clés qu'on utilise, ils n'ont pas énormément d'importance par rapport au filtre catégoriel qu'on a. Donc c'est quelque chose qui apporte peu de valeur à notre recherche. Par contre, côté bien de conso, si je veux une chaussette rouge, je veux pouvoir le mettre en mot-clé. Si je veux une chaussette Spider-Man, et ben là, il faut que je puisse le mettre en mot-clé. Chaussette rouge, on doit pouvoir avoir les filtres pour faire ça. Spider-Man, je pense pas. Et il faut que je puisse exprimer mon intention. Un petit détail qui apparaît, qui je trouve assez représentatif de ce à quoi on a abouti, c'est qu'on voit aussi le statut de transaction compte vachement côté vêtements. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà une vente encore en cours sur cette annonce-là? Et il n'apparaît pas du tout côté log de vacances, alors qu'il y a aussi un système de transaction. Mais une log, elle peut être justement louée à plusieurs moments de l'année, ça pose aucun souci, donc ça ne fait pas vraiment de sens de la dégrader pour ça. Au contraire, peut-être même. Tandis qu'un généralement, nos vêtements, ils ont un stock de 1. Et donc, s'il y a quelqu'un qui est déjà en train d'acheter ma tenue Spider-Man, il va falloir certainement qu'on trouve une autre. Et dans la même veine, on voit qu'ici, côté location de vacances, on a des scores d'hôtes. Donc la capacité de l'hôte à accepter les réservations, répondre, gérer son bien. Et donc ces deux exemples-là, c'est des informations exogènes à l'annonce. Ce n'est pas le cycle de l'annonce qui va nous donner ces informations. Et pourtant, c'est quand même des signaux qu'on va utiliser à l'intérieur du moteur de recherche pour altérer l'expérience. Alors, donc on fait ce genre de enfin, ça, c'est un résultat auquel on arrive justement après itération, mesure, et ainsi de suite, hypothèse, etc. Et en 9-10 mois, on arrive à et ben grimper de 20% sur notre taux de contact. On est très content, ça fait très longtemps qu'on ne l'avait pas bougé de si fort. Mais on voit aussi que notre efficacité vendeur, qu'on voulait juste défendre, elle a doublé. Ça veut dire qu'on répond mieux à l'acheteur, mais aussi on ventile beaucoup mieux les inventaires des vendeurs. Ça, pour le coup, très très content. La précision, on s'est juste assuré qu'on ne l'avait pas dégradé, on ne l'a pas mesuré précisément à ce moment-là, donc on ne sentait pas de vous mettre un chiffre pris au pif. Mais on sait qu'on n'est pas en négatif. Et on a réussi à faire ça en ne dégradant pas du coup le boost de visibilité relative de nos amis qui payent. Payez. Merci. Quelque chose qu'on a apprise à ce moment-là. La volatilité, alors. Un inventaire volatile, c'est compliqué, Paul? Oui, c'est compliqué. Donc, si vous vous rappelez d'ETF-IDF, le score d'un document est aussi dépendant de toute la collection, puisqu'on cherche les mots qui sont discriminants dans la collection. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que ma collection de documents change, pour une même recherche, le score du document a changé. Ma collection a changé. Ce qui veut dire que j'ai aucune stabilité quand je fais des pages. Et donc la pagination, elle doit être complètement externalisée d'Elasticsearch. Je suis obligé d'avoir des astuces. Donc on fait grosso modo du distributing caching. On envoie des informations sur les front-ends et les front-ends nous le renvoient, parce que sinon ça fait beaucoup trop de state à gérer. Mais l'idée, c'est que on ne peut plus faire confiance à Elasticsearch pour savoir où il en était dans sa recherche. Parce que l'inventaire est volatile. Parce que les scores vont toujours bouger. Je peux faire la même recherche, regarder le même document à 2 secondes d'intervalle, le score a bougé. Je ne peux plus paginer. Et deuxième petit élément,
vu qu'on est passé d'un index partagé à des multi-index sur lesquels on va potentiellement faire des queries parallèles et on va réagréger nous logiquement, on s'est confronté à un autre souci, c'est que sur le TF-IDF, donc sur ce qu'on utilise pour scorer textuellement, la fréquence d'apparition des têtes d'un même terme, elle va être très différente d'un marché à un autre. Et du coup, quand on joint tout ça, et ben du coup, ça veut surpondérer des annonces d'un marché par rapport à un autre sur un même mot-clé, alors qu'on a une recherche qui est justement toute catégorie. Et du coup, on a dû battre avec Elasticsearch jusqu'à trouver cette option qui nous permet de partager entre les différents index un même en gros compteur de fréquence. Du coup, l'étape d'après, est-ce qu'on peut mettre des néons sous la caisse? Ça y est, on a une voiture qui va un peu plus vite, maintenant on va mettre des néons. Donc jusqu'à maintenant, on a une plateforme qui est configurable, on a fait plein d'itérations pour trouver des expériences de marché un peu customisables, et on veut aller un petit peu plus loin. On a pour objectif de réussir à faire du search sémantique, et donc de s'abstraire du filtre par keyword, et de vraiment avoir une compréhension de l'intention de l'utilisateur, trouver les annonces qui répondent à cette intention, même si les mots-clés que l'utilisateur a tapés ne sont pas dans cette annonce. On va jouer avec un algo qui s'appelle KNN, et pour comprendre un peu ce qu'on va faire ici, on a besoin d'introduire ces deux notions-là. Donc la définition théorique, encore une fois, de la précision, c'est dans l'ensemble d'éléments que j'ai sélectionnés dans ma recherche, combien étaient pertinents. Et le recall, c'est une mesure qui est un peu antagoniste, c'est parmi tous les éléments qui étaient pertinents dans ma collection, combien j'en ai trouvé, pardon. Je vous ai fait un petit schéma à la main, j'espère que vous appréciez pour illustrer ça. Donc c'est deux mesures antagonistes. On a en noir, en point orange, les documents pertinents, en point bleu les documents non pertinents. On voit que l'ensemble noir, il est super bien, on a une précision parfaite. Tous les documents qu'on a trouvés sont pertinents et tous les documents pertinents ont été trouvés. Et les deux autres ensemble, on voit que c'est un trade-off entre ces deux mesures. Je crois que là, du coup... Dans cette exploitation-là, on va essayer de mettre du machine learning dans la stack. On est fin 2020. Il y a des capacités qui sortent justement sur Elasticsearch pour nous aider à intégrer ces features-là. Et donc, on se dit qu'on va essayer de gagner sur la précision, mais sur le recall aussi. C'est-à-dire d'être capable, en gros, de faire de la proximité sémantique pour gérer ces questions de synonymie. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça veut dire ? Oui, tout à fait. Donc c'est ce que je disais juste avant. On va faire la recherche sémantique. On veut comprendre l'intention de l'utilisateur. Donc si on veut comprendre l'intention de l'utilisateur et trouver des annonces qui n'ont pas le mot-clé qu'il avait tapé, ça veut dire qu'on augmente la quantité d'annonces qu'on retrouve et on essaye d'augmenter le recall. Donc on introduit un nouveau KPI qui est le recall, qu'on va essayer de faire monter. Si vous regardez la définition qu'on a mis ici du recall, c'est pas la définition théorique que je viens de vous donner. Simplement parce que si à un moment donné, je connais tous les éléments pertinents de ma collection pour une recherche, ben j'ai fini mon travail. J'ai plus qu'à les donner à l'utilisateur. Et donc ça, c'est une mesure qu'on ne pourra pas avoir en temps réel. On ne peut pas mesurer la capacité de recall de notre moteur de recherche en temps réel. On peut avoir des proxys, on peut faire du offline. La façon qu'on a choisi d'utiliser ici, c'est un proxy, c'est la quantité de recherche qui mène à une page sans résultat. Donc c'est notre capacité à trouver des résultats là où avant on n'en trouvait pas. Par exemple en gérant les fautes d'orthographe ou des synonymes pour un même terme. Alors, comment ça marche ? Pour pouvoir faire ça, on a besoin de changer un peu notre fusil d'épaule. Jusqu'à maintenant, on a travaillé avec une représentation textuelle de l'intention. Donc, on prenait les mots-clés, on les cherchait dans nos documents et on espérait que ça matche bien. Ici, on va transformer la représentation textuelle, on fait une représentation vectorielle. On fait ça avec du machine learning et le gros avantage des représentations vectorielles, c'est qu'on peut y appliquer des maths. Et si on a bien fait notre travail, une représentation vectorielle d'un mot, d'une phrase, d'un titre ou d'une annonce, c'est une capture sémantique, c'est-à-dire que ce n'est pas lié aux lettres ou aux mots utilisés, mais c'est bien relié au sens qu'il y avait derrière ces mots. Autrement dit, des mots comme transat ou chaise longue, qui a priori sont très différents, devraient avoir une représentation vectorielle très très proche. Maintenant qu'on a une représentation vectorielle, je viens de le dire, on peut utiliser des fonctions mathématiques. Et donc, je vais un peu te donner la réponse. Si on a des représentations vectorielles qui sont très très proches pour une même sémantique, ça veut dire qu'en fait c'est une notion de similarité. On peut calculer la distance entre des vecteurs. Plus la distance est grande entre mes deux vecteurs, moins ils sont similaires. Plus la distance est faible, plus mes vecteurs sont similaires. Et plus la sémantique est similaire. Alors,
la question qu'on peut se poser, c'est... Ah oui, tiens, il fallait que tu expliques KNN. C'est quoi KNN? Ah oui, alors KNN, c'est un algo qui vient tirer un peu profit de ses représentations vectorielles. KNN pour K Nearest Neighbor, on va lui demander de trouver les 10 voisins, 20 voisins, 50 voisins les plus proches d'un vecteur. Donc ici, le vecteur qui va représenter notre recherche, c'est le point orange. On a plein de points bleus qui sont des documents dans notre collection. On lui demande les deux voisins les plus proches de ce point orange. Il va faire ses calculs de distance, trouver les deux petits points bleus, nous les retourner. Ils n'avaient pas les mots-clés que l'utilisateur a tapé, pardon, mais ils sont très proches de l'intention de l'utilisateur. On est content. On est content. Donc du coup, ça, c'est la théorie. On se dit, on va utiliser un truc comme ça, donc un modèle de machine learning, un réseau de neurones ici, pour trouver les vecteurs, donc ou aussi, les, on vous dira peut-être, les embeddings des annonces, et aussi générer des embeddings pour la recherche, et trouver les annonces qui ont des proximités sémantiques. Donc je disais, à ce moment-là, Elasticsearch a proposé une première feature qui permettait de stocker ces vecteurs directement à côté des documents, pour pouvoir justement faire les petites opérations mathématiques dont Paul parlait, pour les comparer et les scorer. Rester à trouver un algorithme de machine learning qui nous permette de justement de gérer ces embeddings, parce que c'est un peu de travail, et du coup on a décidé de le faire faire par d'autres, enfin de profiter plutôt du travail d'autres personnes. Et donc on s'est dirigé vers BERT, qui est un modèle qui est mis à dispo par Google, et qui sert justement exactement à ça. En termes d'intégration, comment ça s'est passé? On s'est mis derrière la partie, on va dire, moteur de stockage de la plateforme. Et à chaque indexation d'une annonce, donc on a commencé par le tester sur l'emploi, si je ne dis pas de bêtises, on génère son embedding grâce à Bird. Et on va aller réécrire dans la base, chez ES, le vecteur associé au document. Donc de façon asynchrone, au fur et à mesure de la publication, on vectorise tout ça et on vient stocker ce supplément d'informations directement dans Elasticsearch. Et du coup, ensuite, notre petit dispatcher, on lui dit, tiens, vas-y, la fonction mathématique qui te permet de calculer la distance sémantique de cette annonce avec les autres, comme ça tu vas pouvoir augmenter mon recall et aller chercher des choses que tu ne serais pas allé chercher. Et du coup, là, on appuie sur le « Allons en prod » et ça nous explose violemment à la tête. Voilà. Qu'est-ce qui s'est mal passé? Un niveau de performance, on est passé sur notre 95 percentile de 50 millisecondes à 4 secondes. En gestion de requêtes, c'est pas top. Surtout qu'on avait testé sur un petit inventaire. Je vous rappelle qu'il y a plein d'inventaires de tailles différentes. On a très courageusement testé sur celui qui faisait 70 000 annonces. Il y a un gros cousin qui fait 65 millions à côté. Donc si ça pète sur le petit, je ne vous explique pas sur le gros. Et ensuite, on s'est aperçu que la magie n'était pas si magique. Que équilibrer... qu'en gros, aller chercher les 10 premiers voisins, parfois c'est bien. Parfois, à partir du 5e, 6e, 7e voisin, on est déjà très très loin. Si on fait des recherches un peu précises ou sur des petits inventaires, c'est tout à fait relatif, la notion de distance. Et donc, du coup, à un moment donné, il faut mettre des thresholds, etc., pour la gérer. C'était très difficile à faire à ce moment-là. Et enfin, on s'est aperçu que les intentions entre le titre et la query, parfois, c'était un peu difficile à gérer aussi. Donc, que ça n'allait pas marcher tout seul. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, on a essayé de craquer la question du recall. On peut essayer maintenant de craquer la question de la précision. On va faire une nouvelle expérimentation. Et pour cette expérimentation, on va encore utiliser du machine learning. Plutôt que d'essayer de trouver des nouvelles annonces, on va essayer de mieux ordonner avec des signaux qu'on n'a pas forcément déjà utilisés. Voilà. Donc du coup, là, pour le coup, plutôt que d'essayer d'augmenter le recall et la précision en même temps, on va essayer déjà de gérer la précision. Exactement. Parce que ça, on n'a pas besoin de le faire dans OS. Et pour ça, on va adopter une stratégie un peu similaire. On va créer des représentations vectorielles de nos annonces. Dans ces représentations vectorielles, on va avoir un peu plus de choses que le texte. Cette fois-ci, on va avoir les images, le nombre d'images, tout ce qui est catégoriel sur l'annonce, donc sa catégorie, le type de vêtement que c'est, les couleurs, etc. Mais évidemment aussi le texte. On va donner tout ça à un algo de machine learning qu'on a conçu nous-mêmes cette fois. Et à la fin, on récupère un embedding, donc une représentation vectorielle de ce document-là. On va faire exactement la même chose avec les recherches.
Et encore une fois, on va prendre un peu plus de signaux que juste le texte. On prend évidemment les keywords, mais on va aussi prendre les recherches récentes de l'utilisateur, ce qui veut dire qu'on devrait pouvoir modifier l'ordonnancement en fonction des derniers comportements de l'utilisateur sur le site. Et on va aussi se baser sur le device qu'on utilise. Statistiquement, on voit des différences de comportement entre web, iOS et Android. On se dit que c'est un signal qui peut intéresser le machine learning. À la fin, on se retrouve donc avec deux vecteurs, celui de l'annonce, celui de la query, et il faut apprendre à donner un score à cette paire. Là où avant on utilisait uniquement le texte, ça marchait plutôt bien, on pouvait prendre des notions mathématiques relativement simples, parce qu'on partait des deux côtés d'une intention textuelle, et à la fin on calcule la distance entre les deux. Ici c'est un peu différent. D'un côté on utilise des images, on utilise des données catégorielles, de l'autre côté on utilise une recherche et des recherches récentes qui ne sont pas exactement pareilles. Et donc il va falloir apprendre à donner un score entre cette paire, et on entraîne un troisième modèle qui lui apprend à donner un score entre l'embedding de la query et l'embedding de l'annonce. Et donc quand tu dis « ah, pardon. T'es on double clic ». Quand tu dis « apprends », c'est sur quelle base? C'est sur quelle base? C'est sur le comportement utilisateur. On a suffisamment de données. Une des chances du bon coin, c'est d'avoir beaucoup, beaucoup de recherches, beaucoup d'utilisateurs, et donc pouvoir utiliser ce tracking pour voir quelles étaient les recherches récentes de l'utilisateur au moment où il a cliqué sur cette annonce. On construit un énorme dataset comme ça, on le fait manger aux trois algorithmes, et à la fin, on espère que ça marche. Donc du coup, la façon dont on l'a intégré, pareil, on a mis un consumer Kafka qui a lu les événements de publication et qui a généré l'embedding des annonces, qui les a stockées dans un cache. Et quand une requête arrive sur l'API Search, elle est d'abord dispatchée, elle récupère les résultats natifs d'Elasticsearch, et ensuite on a une nouvelle phase qui s'appelle le re-ranker, qui lui va aller s'adresser du coup à un service qui implémente la deuxième partie du modèle, qui va du coup faire l'embedding de la query, récupérer l'embedding des annonces et régénérer un score. Donc il faut bien comprendre que là on en est à la sélection d'annonces a été choisie par les ES. Et par contre, l'ordre total des annonces, il est reconstruit par ce re-ranker. Est-ce que ça a marché? Alors, on voulait défendre notre taux de confac et notre efficacité vendeur, elles ont monté de 5 et de 30%, donc on est content. Et la précision, on a réussi à gagner toute catégorie un bon 10%. Pareil, ça c'est des itérations et des itérations et des itérations, des modèles différents par verticale, puis des modèles qui sont un peu plus performants, qui sont redéployés pour tous, enfin... Il y a à peu près un an de boulot derrière. Toujours sans dégrader la performance des gens qui payent. Et donc, on a pris 2-3 trucs. Donc voilà ce que je viens de vous dire. Donc, faut itérer, chercher, diversifier, généraliser, et ainsi de suite. Et la pagination, ça ne s'améliore pas. La pagination, ça ne s'améliore vraiment pas. Parce que là, ça veut dire que déjà, avant, j'avais du mal à gérer mes scores qui me servent de pivot pour gérer mes paginations. Là, Elasticsearch n'est même pas au courant de l'ordonnancement qu'on montre à l'utilisateur. Et donc, il faut trouver des nouvelles astuces. On va repasser par les front-end, etc., pour passer de l'information d'avant en arrière et réussir à reconstituer les résultats de recherche sans rejouer ces recherches. On veut aussi protéger le ML. C'est un peu plus lent qu'Elasticsearch. Ça coûte un peu plus cher à mettre en place. Et donc, on veut au minimum appeler les modèles. On veut reconstituer un ordre qu'Elasticsearch ne connaît pas, et donc on a une distribution de l'état de la recherche sur les front-ends qu'on va réutiliser quand les front-ends nous appellent. Ok, donc on a passé un an, mais on a mis des néons, un néon okay, sous la voiture plutôt que deux. Donc on essaye de remettre un deuxième. La recherche sémantique, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de savoir faire. On s'est un peu fait exploser la tronche par Elasticsearch à la première expérimentation. Là, mais on est quasiment 2 ans après. On est 2 ans après, Elasticsearch a encore évolué, et en 2022, ils sortent les features d'ANN. On va en parler juste après. Donc là, dans cette expérimentation-là, on a voulu l'utiliser pour augmenter le recall, c'est-à-dire aller chercher ces annonces qu'on ne remontait pas. Et on se dit que ça devrait avoir un impact positif sur le taux de contact, le reste, on le défend. J'ai pas résisté à vous mettre une illustration de l'ANN. C'est le petit cousin du KNN. Il calcule les plus proches voisins, mais parfois, il se plante. Mais par contre, il va vite. Et donc ça, c'est l'adaptation du schéma de tout à l'heure. On a notre point orange qui est l'embedding de notre query. On cherche les voisins les plus proches qui ne sont pas des voisins qu'on connaît déjà. Donc en vert, c'est ce qui avait déjà matché le texte. On va chercher des nouvelles annonces. Et les annonces qu'on trouve, ce n'était pas les plus proches. Elles sont très très proches de l'ensemble. On est quand même plutôt content. On sait que ce n'est pas un résultat parfait, d'où le nom d'ANN, Approximate Nearest Neighbor.
mais le trade-off avec la performance est intéressant pour nous. L'avantage aussi de cette implémentation dans Elasticsearch, c'est que maintenant l'ANN fait partie de l'API de Search à part entière. Ce qui veut dire que les résultats qu'on a à la sortie d'Elasticsearch, c'est déjà une combinaison des scores qu'on a l'habitude de manier avec les fonctions de scoring, avec le texte, avec les TF-IDF, et c'est une somme pondérée avec les scores du KNN. Donc à ce moment-là, il faut du coup qu'on refasse des embeddings, des annonces, etc. pour les remettre dans Elasticsearch pour ressaisir ce genre de feature. Et on reprend un truc sur la table. Entre-temps, il y a eu des améliorations qui ont lieu, y compris sur BERT lui-même. Il y a une version contribuée par Meta Elyria qui s'appelle Camembert, qui est spécialisée du coup sur le français. Donc on prend ça. On l'intègre, comme d'hab, derrière le flux de publication, on réécrit les embeddings et on donne ça au dispatcher avec justement ces fonctions de scoring qui sont maintenant supportées nativement par ES. Ça marche mieux. On arrive à gratter 13% de taux de contact, ce qui à ce moment-là est très 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 bien. Et surtout, sur notre proxy de recall, on a un petit plus de 100%. C'est-à-dire qu'on divise par 3, c'est ça, hein, le nombre de recherches sans résultat. Exactement. Et donc là, on est même surpris, pour le coup, d'arriver à aller aussi loin avec juste un modèle qu'on prend sur étagère. Quelques learnings quand même. C'est gourmand en ressources. Enfin, on va y revenir. Ça génère plein d'amplifications des écritures, de faire de la jongle de « Ah, tiens, des nouvelles annonces arrivent. Ah, je génère des embeddings. Ah, je réécris les embeddings. » Et ainsi de suite. Surtout qu'à un moment donné, vous avez potentiellement plusieurs versions des modèles en prod et vous avez aussi le re-ranker qui continue à tourner, ainsi de suite. Ce qui fait que par moment, il y a des effets de seuil sur votre prod qui font mal et tout explose. Voilà, et le threshold, cette question de distance relative, elle reste quand même vraie. Donc, on a plus d'outils dans l'API de S pour le gérer, mais il y a toujours une sorte de fine-tuning un peu à la main de quand est-ce que ça s'arrête, quand est-ce qu'une distance est trop longue, quand est-ce qu'une distance veut dire que c'est plus si proche. Si je dois faire un petit récap, rapidement. Donc le taux de contact, qui était un peu notre KPI principal, il a monté 42% là sur ces 3 ans. C'est cool. Comment ce gain il se constitue? Ben, en gros, c'est moitié de... On a tuné la partie textuelle de S. Un petit peu de re-ranking, un petit 13% sur le re-ranking. L'ANN... qui fait à peu près deux fois ça, et des petits trucs qu'on a testés et qui ont absolument fail, mais qu'on ne vous a pas parlé parce qu'on pouvait avoir l'air un petit peu brillant, malgré le fait qu'on soit pas. Tout ça pour dire, le truc qui nous a fait gagner le plus de gains, c'est le truc standard, c'est pas les néons sous la voiture, et il coûte beaucoup moins cher. Et ça, c'est un truc qui est important à comprendre. Ce qui est intéressant de voir aussi ici, c'est qu'à un moment, on a changé de représentation. On a passé un an et demi à travailler sur nos représentations textuelles. Au bout d'un moment, c'était très difficile pour nous d'encore améliorer nos KPI. On faisait toujours plein d'ABTS, plein d'itérations, et en fait, plus rien ne bougeait quasiment. Et donc là, on arrive un peu à la fin de notre inspiration sur ces représentations-là. Et l'introduction du machine learning sur le moteur de recherche, ça a complètement changé les choses. On a une nouvelle représentation de l'intention, on a nos nouvelles représentations de nos documents, on a des outils mathématiques pour aller jouer avec ça, et on peut aller regagner sur nos KPI. Moins fort, mais on peut quand même, ça nous ouvre une nouvelle porte, on peut continuer à avancer. Alors, ça, très rapidement, on a continué à... vu que Swing est devenu très très multifactoriel, on a continué à investir dans le tooling autour de la plateforme, et notamment on a développé des HM qui permettaient de tester à chaud sur la prod des fonctions de scoring, maintenant qu'elles sont en fait composées à la fois de scoring ES natif, à la fois de tuning du re-ranker et de l'ANN. Si tu nous parlais ROI. Oui, je vous ai fait un petit graphe que je trouve rigolo. À la fin, c'est toujours AWS qui gagne. Ça, c'est le graphe d'évolution du nombre de machines du cluster sur 2018-2023. Moi, je suis arrivé en 2018, on était à 90 machines, quelque chose comme ça. C'était un Elasticsearch très out of the box, pas optimisé. On a travaillé pendant une bonne année dessus et on est tombé à 35 machines. Et à la fin de cette année, on arrive en 2019, on commence à empiler un peu plus de documents, un peu plus de features. Le nombre de machines réaugmente et cette semaine, on a dépassé les 100 machines. Attends, on parle que des machines ES. Hein. On parle que des machines ES. Donc, on ne parle pas du re-ranker, on ne parle pas des trucs qui font le training des modèles et ainsi de suite. Conclusion.
L'ANN, ça coûte relativement cher. Encore aujourd'hui, avec plus de 100 machines sur le cluster, on a à peu près 40% du CPU qui est dédié à la recherche sémantique. Sachant qu'on n'a pas ouvert la recherche sémantique sur toutes les recherches encore, c'est une consommation CPU qui est énorme. Ceci dit, c'est une feature qui est très rentable. On l'a vu tout à l'heure, on a divisé par 3 le nombre de pages sans résultat, on a augmenté le KPI d'efficacité acheteur, et à la fin, quand on compare ce que ça nous coûte et ce que ça nous ramène, ça vaut le coup. Voilà, un petit truc, je prends la casquette archi, il y a le coût machine, il y a aussi le coût complexité système. Il y a tellement de moving parts dans le truc, il y a une telle inertie dès que les données changent, que ça aussi, ça a des coûts qu'on ne peut pas mesurer juste sur l'interface de coût d'AWS, quoi. En conclusion, du coup, si jamais vous devez vous lancer vous aussi à mettre des néons sous votre moteur de recherche, quelques petits conseils. Déjà, voilà, hein, bien penser à la partie retour sur investissement, ce que vous allez mettre sur la table et sur le compte en banque de Jeff. Mesurer et itérer, c'est super important. C'est ce qui nous a vraiment permis de progresser et aussi de faire tomber un peu des mythes qu'on s'était auto-construits sur à quel point ça allait marcher tout seul ou pas. Différencier la stratégie par use case, ça a été super important dès le départ. Il y a plein de trucs géniaux qui sortent, qui sont ouverts, qui sont sur étagère. Et c'est vraiment plus simple, c'est vraiment de commencer par les prendre, les utiliser avant d'essayer de tuner ces trucs soi-même. Voilà. Et tout ça bouge très 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 vite. Et donc voilà, peut-être que la moitié des trucs qu'on vient vous a présentés seront caducs l'année prochaine. J'espère pas, mais et du coup, faut aussi accepter ça et toujours en remettre un peu en question ce qu'on a construit. Voilà. Si jamais ça vous intéressait, on a fait un peu d'autres contenus sur des sujets connexes. Il y a Mathias qui est le data scientist derrière les modèles de machine learning qui sont maison, notamment ceux du Reanker, qui a écrit un petit article là-dessus. À Devox, l'année dernière, on est passé sur toute la partie data platform, ainsi de suite, et MLOps, qui aussi impacte ce sujet. Et l'année dernière, à Volcamp, on parlait de ce projet-là, mais sous l'angle justement de comment est-ce qu'on donne de la liberté au marché dans une stack qui est dans une organisation qui n'a pas été prévue pour. Voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions. Merci pour la présentation, c'était hyper intéressant. Justement, j'avais une question. Par rapport à AWS et Elasticsearch, quel a été l'impact du changement de licence d'Elasticsearch? Est-ce que vous avez utilisé le fork OpenSearch ou... On a utilisé le fork OpenSearch dans d'autres use cases. Donc, l'Elasticsearch, on l'utilise à plusieurs endroits dans la boîte. On ne l'utilise pas pour le search principal, simplement parce que les features d'ANN ne sont pas arrivées sur OpenSearch. Et donc, à un moment, on était vraiment en comparaison des deux. On a fait des comparaisons. Il y a des endroits où on les utilise parce que ne pas avoir les managers, c'est quand même plutôt cool. Mais le feature gap entre les deux fait qu'on a des choix à faire à certains moments. Et pour le search principal, pour l'instant, c'est Elasticsearch géré par nous-mêmes. Donc, c'est le EC2 déployé et on gère nous-mêmes Elasticsearch. Merci beaucoup pour la presse. J'ai cru comprendre que vous aviez eu un an de mise en place de tooling avant de commencer à mettre la nouvelle version, c'est bien ça? Avec le recul, comment est-ce que vous auriez pu faire pour avoir des retours plus rapidement de la prod et éviter cette année sans... Oui, ça marche mieux quand j'ai eu. Mais en fait, on a mis un an à finir d'avoir tous les marchés qui avaient leur scoring optimal. Mais par contre, on a directement commencé tout de suite sur emploi, qui était le petit truc à 70 000 annonces, qui n'était pas un marché critique pour nous. Et on est rentré dans cette boucle d'itération, de mesure, etc., dès le début. Voilà. Merci. Il y a un petit point qu'on n'a pas dit non plus, c'est que la toute première partie de ça, on est vraiment sur une réécriture quasi complète du moteur de recherche. La toute première partie, c'est d'atteindre l'isoprod. Et ça nous a pris un an, justement, d'avoir les deux systèmes qui renaissent en parallèle. Et d'en avoir en fait d'arriver à un niveau de maturité de stabilité suffisant pour pouvoir tuer l'ancien et tout mettre sur le nouveau.
bonjour, merci. J'avais une question. En fait, j'avais deux questions même. Déjà, la première question, c'est quand on voit les coûts AWS qui apparemment sont assez énormes, je pense qu'il y a quand même une saisonnalité sur les recherches, mais pourquoi ne pas investir dans du bare metal ? Et deuxième question, alors c'était super les itérations avec les KPI, mais est-ce que vous avez mesuré l'impact sur la middle tail, voilà, Google par exemple, type catégorie Le Bon Coin, chaussettes sport ? Et si oui, comment ? J'ai pas compris la deuxième partie de la question, désolé. La question c'est quel est l'impact de ces modifications dans votre moteur de recherche interne sur les moteurs de recherche externes type Google, sur la middle tail type catégorie ? C'est une bonne question. Donc l'impact sur les moteurs de recherche externes, en fait, il est relativement faible parce que la gestion du SEO, elle est gérée directement par une team. Et donc si on doit changer la façon dont on organise notre moteur de recherche, la façon dont on génère les pages, etc., en fait, on le fait en contrat avec cette équipe-là. Et donc tout a été porté en même temps. Et la récupération des metadata, le crawling du site par les robots type Google, c'est toujours géré par cette équipe-là en concertation avec l'équipe Search. Donc ça n'a pas eu trop d'impact. En fait, on s'améliore constamment, on part d'assez loin, je crois. Et donc on s'améliore constamment sur ce sujet et la plateforme Search n'a pas eu d'impact sur celui-là. Et j'ai évidemment oublié la première. Bare Metal. On était en Bare Metal avant de passer chez AWS. Quand je suis arrivé chez Le Bon Coin, on faisait du Bare Metal. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas gardé là simplement pour des questions de maintenabilité, on en avait marre d'envoyer des gens dans les DC. Pour des questions de résilience, on a perdu plusieurs fois les DC où on a perdu des fibres qui reliaient les deux DC sur lesquels on était. On part en Splitbrain, Elasticsearch. C'est un peu un enfer. Je crois qu'il y a une conf ce matin qui disait ne faites pas de système distribué. Et en fait, tout ça, c'est réglé par AWS, les AZ, les EC2. C'est beaucoup plus facile à gérer. Les questions de scale du cluster, comme vous l'avez dit, on a une grosse saisonnalité. Il y a des moments où on va faire des opérations promo sur le site et on va avoir besoin de grandir le moteur de recherche parce qu'on ne tiendra pas la charge qu'on attend pour ce week-end-là. Et donc, en bare metal, il faut envoyer quelqu'un, il faut ajouter des serveurs qu'on n'a peut-être pas à disposition parce qu'on les a utilisés autre part, etc. Sur AWS, on va sur la console, on déploie des EC2 et grosso modo, c'est fini. Heureusement, c'est pas mon métier. Ouais, y a vraiment aussi un truc sur l'expérience de dev. Quoi. Tout ça, la partie justement plateforme search, elle tourne sur une double équipe de 5, quoi, quelque part, si on prend le front. Ouais. Donc, ça permet aussi de concentrer l'effort là où il y a la création de valeur. Merci beaucoup. Merci.